Bonjour à tous, il y a un tout petit événement qui arrive, donc la capture d'Elixir, qui là, donc comme vous pouvez le voir, il faut faire 6 victoires, pas de défaite, donc ça devrait aller relativement smooth. Comme à l'habitude, je vous ai proposé un petit deck qui va bien pour l'occasion, et c'est parti, let's go le tester. Donc c'est un deck qui est très très joué. Alors ok, donc il envoie direct une mini PK, on va juste défendre tranquillement. Bah, on lui laisse les 3 points d'élixir, on va juste défendre comme ça. Il faudra plus que ça pour nous passer dessus, ok. Ok, cochon. J'espère que je prends bien le point d'élixir là. Ouais, c'est bon, je le prends. Peut-être une boule de neige pour essayer de gratter un petit coup supplémentaire. Voilà le coup qui est passé. Donc là, il n'y a plus besoin d'aller défendre. On peut juste remettre une TDE pour défendre à droite. Du coup, pour l'ami le géant royal, on bloquera à la Valkyrie. Comme il va bien, voilà la Valkyrie qui est posée. Le géant royal qui se fait découper par la TDE. Ok, donc là par contre il a quand même rajouté un peu de trucs. Donc on va remettre des petites unités aussi. Ok, on a la Valkyrie, mais là ça suffira pas. Il va reprendre le point d'élixir. C'est pas très grave, on a mis des bons dégâts. On a mis PK qui devrait tomber avant de prendre le... On aurait bien aimé qu'elle tombe avant, bon c'est pas grave. Voilà, faire ça. Tac. Ok, comme à l'habitude, hein. Petite boule de neige, hop là, le petit grattage supplémentaire. Le fil barbare défend parfaitement la Valkyrie, les gargouilles vont tomber. On a récupéré notre TDE pour son géant royal s'il le pose. Voilà, il est posé son géant royal. Je pense qu'on ira juste gratter un petit peu l'élixir avant qu'il le prenne. Voilà, un truc comme ça, j'ai juste pas envie qu'il le prenne lui en fait. Mettre le cochon là-bas. Et on va redéfendre un truc comme ça, une Valkyrie dans le tas. Mais voilà, très bien. Ça va être dur pour lui, hein. Oh là là, quand il est en train de se prendre des taquets de dégâts là-bas. Ok. On va redéfendre au fil de barbare. Remettre des squelettes. Ah non, ouais, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Valkyrie va prendre le truc, mais bon, c'est pas dramatique. Un truc comme ça, comme ça. Je vais me faire gaffe, hein, on peut se prendre quelques dégâts ici. Ça va, ça va, ça va. Son GR, il prendra pas non plus le bâtiment. Ok, zap. Ah, avec zap peut-être. Encore que, hein, la T2. La T2, ah, elle a presque eu la T2. On était pas loin quand même. On était pas loin d'une belle escroquerie. Ok. Faut que je fasse gaffe là quand même. On va se concentrer un minimum. La mini PK qui tombe. On va remettre le cochon. Là, il va forcément mettre les gargouilles. On les pré-shot. Oula, ok, oui, mais tout le monde, pas de soucis pour nous. Oh là, ce qu'on a mis comme dégâts. Ok. Les archers pour def. Rebloquer ça. On va reprendre à la tour de l'enfer. Petit fuite barbare. Même si zap, c'est pas grave, hein. Clairement, voilà, il met le zap, mais. On a trop de dégâts. On a beaucoup trop de dégâts. On s'en fout. On s'en fout. Alors, cycler des séismes. Hein. Pack. On met une boule de neige au cas où. Easy, mais tranquille. Je vais dire, ce deck est pas mal. Ce deck est clairement pas mal. Donc, vainqueur de combat 9 sur 10. Oh, on a le coffre à couronne. Okay, on veut des trucs qui vont dans le golem. C'est tout ce qu'on demande en fait. Cache goblin, non. Ça oui. Allez, un truc qui va dans le golem, non. Je savais même pas que c'était un sort ça. Ah, séisme, c'est pas mal, séisme. On veut du séisme. Ok, une victoire. C'est reparti. Ok, Fighting Shadow. Combattre les ombres. Ah, j'aurais dû poser une T2 cache. On a vu tout à l'heure, ça prend le point d'élixir quand on fait ça, donc on va le faire. Ok, il a une boule de neige. Bon, écoutez, on va juste poser une T2 défensive, comme ça elle sera là pour le prochain truc d'élixir. Ah non, il a un poison. C'est pas sympa ça. Ok. On va cycler pour prendre le point d'Alixia. Je pourrais séisme d'ailleurs, je m'en fous. Hein. Ouais, bah c'est mieux. Oh, séisme. Nous aussi on peut le faire, hein. Ça marche aussi. Nameo, vilain là. Il joue comme nous, non? Je crois qu'il joue comme nous. Il va prendre le point du coup, par contre. Ça c'est triste. Non! Oh là, ça se joue à rien. Je crois qu'il l'est, donc je le prends. Voilà, ça y est. Il joue exactement comme nous. C'est un filou. Ah non, il joue pas comme nous, il joue bat. Okay. C'est
C'est vrai qu'il joue poison aussi, ouais, il joue pas du scum en fait. Ok. Alors, le truc c'est que sa tour de l'enfer est toujours en vie, donc là je peux pas mettre un cochon tout de suite. Maintenant je vais juste cycler ça là-dessus. Cycler ma propre TDE. J'aurais avant lui ou pas? Non! Non! C'est la tristesse, ça. Je peux lui filer l'élixir. Hein. Oh, il a eu justesse. Hein. Vraiment à la demi-seconde. En plus, en x1, c'est quand même beaucoup d'élixir. Faut que je fasse gaffe, faut que je squelette instant, je prends l'élixir, sinon il va vraiment me faire trop mal. Ah, le filou, quoi. Le filou, il va nous mettre des bons dégâts ici. Regardez, regardez son cochon, là. En plus, il a remis des points d'élixir par là-bas. Bon, on va cycler les sismes sur sa TDE. Vraiment pas très content de devoir faire ça, mais on n'a pas le choix. Hein. Et cette fois-ci, on a boule de neige. Est-ce que ça suffira? Allez, boule de neige, t'es pété ou pas? Non, ça suffira. J'en ai marre. Ouais, ok, là, cette fois-ci, il y en a marre. On va cycler les séismes sur sa tête. C'est plus possible. Hein. On en a gros. Voilà. C'est ça qu'on veut. On va recycler les archères. On va remettre une prochaine T2 qui va être assez haute. Voilà. Lui, non, je veux même pas que tu me tapes en fait. J'en ai marre. Tu n'as plus le droit, c'est fini. Nous sommes passés à autre chose. Ok, tu vas recycler un petit séisme là-dessus. Ah, il les a tous, hein. Y'a rien à faire, hein. Même avec séisme, on l'empêche pas du tout de les prendre. Bon, c'est pas grave, hein. Là, son rogue il fera pas de dégâts. On va pouvoir nous-mêmes mettre un petit hog offensif. Ça peut être pas mal ça. Hein. Du coup, il aura plus sa TDE pour le prochain. Et je pense qu'on se met bien là. Là, clairement, on va refaire ça. Un truc comme ça. Je vous dis, là, on est bien. Là, on est très très bien. Les bêtes qui vont servir à rien. C'est parfait. Pac, 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 pac. Super, on prend le point d'élixir. On est reparti. Hein. Cette fois-ci, on bourre. Tac. Si re-T2, on séisme cache. On va séisme quoi qu'il arrive. On s'en fiche. Voilà, mais voilà. Nous on a repris le fond d'élixir, donc cette fois-ci on est vachement mieux que la fois d'avant. On va recycler les archères. Et on est reparti en cochon. On n'a pas le temps. Et là il nous empêche pas de le toucher. Et on connecte. Et c'est la victoire. Et on nous cycle. Et on se met bien. Mais voilà. Ouais, il fallait juste réussir à recycler. En fait il a un deck plus lourd. Donc c'était juste ça. Voilà un petit tout cycle. Hein, une technique de base hein, sur Clash Royale. Alors maintenant des trucs qui vont dans le golem. Ah ben voilà un électro-dragon. Un seul, certes, mais c'est quand même ça. Qui en obtient la récompense. Et let's go guys. 2-0. Let's go. On est tellement chaud. Deux victoires. Alors, une petite pompe d'élixir en milieu. Oh T2 vite, faut la poser. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Pousse. Il joue zap ou pas? Mais non, c'est moi, il joue pas zap. Mais parfait. Alors, maintenant, eh ben, on va envoyer un premier cochon. C'est parti. Et on pouvait le mettre bien à gauche, hein, comme d'hab, en fait, on n'est pas obligé de faire ça, c'est pas grave. Préparer la boule de neige. Voilà, les petites boules de neige, hein, juste pour histoire de dire bonjour. Histoire de rajouter un petit coup de base. Voilà. Encore un, s'il te plaît. Oui. Voilà, parfait. Ok. Ah ça, on n'était pas prêt, par contre. Un golem. Ok. Ok. Ah, s'il veut. Alors, c'est parti. Déjà faire ça nous. Là il va devoir def hein, parce que le cochon il va faire mal. Hein. Le cochon il va faire mal. Je te préviens mon ami, mais le cochon il fait mal. Hein. Ok, le golem qui va tomber. Lui il va mettre quelques dégâts, mais rien de dramatique. Ah merde, j'ai arrêté les archères. Non, les archères, vivez! Survivez! Oui, vous êtes fort, les archères. Je prends le point. Ouais, voilà, le petit point d'élixir il fait plaisir. Tiens, défends le cochon. Défends le cochon, mon ami. Ok, super. C'est un électro-sorcier. Ok, donc pendant ce temps-là, nous, lui, il va s'arrêter sur la pompe. On va la prendre avant parce qu'on a la TDE. Et après, on peut redéfendre tranquillement son sorcier avec les petits squelettes. Et voilà, un fil barbare potentiellement. On va essayer de recycle. Oh bah, parfait. Voilà quelque chose à cycle. Ah, par contre, on n'a pas pris l'élixir des deux côtés. Ah, oui, d'accord. Je le veux. Je veux sauver l'élixir. Donne-moi l'élixir. Voilà, donne l'élixir au cochon. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'on a une raison de boule de neige? Mais on a tout à fait une raison de boule de neige ici. Une bonne raison d'ailleurs. C'est une sorcière.
que quelle meilleure raison pourrait-on avoir de blue neige qu'une sorcière? Alors, on a les archères qu'on va pouvoir reposer. On va surtout chercher à recycler notre T2, évidemment. Voilà, T2 qui va être recyclé. On va gérer ça, histoire de le prendre quand même avant. Allez, voilà, on le prend avant. C'est ce qui compte. Ok, ok, ok. Pas de pression, pas de stress. Pas de pression, pas de pression. Ah, c'était un peu chaotique, hein, pas se mentir. J'étais un peu sous pression. Alors nous, on peut aller finir avec une boule... Ah, il a pris le point ici, hein, d'accord. Donc, je disais, on peut finir avec une boule de neige, nous, à droite, donc on est tranquille. Ou séisme, ou n'importe quoi, en fait. Là, on a la T2 qui va permettre de redéfendre. Et bon, voilà, on est royal au bar. Hein. Ok. Un coup de séisme. 183, 61 par seconde. Et c'est le séisme qui surgit et qui prend la partie. Oh, le séisme. Il rigole. Il rigole tellement, le séisme. 3 victoires. Ah, ok. 3-0, c'est pas vrai. Capi, Quaz. On a la T2. On va poser cage. Hein. Le respect, c'est fini. C'était l'époque dernière. Hein. Voilà. Hop. On n'a pas besoin de plus. Et même si je vous zappe. Voilà, parfait. Ok. Donc, ça va être défendu. On va chercher le point à droite. Prépare la boule de neige au cas où, ok, les barbares d'élite, ça. Bon, on va le laisser, tant pis, c'est pas grave s'il tue le cochon. Vilain barbare. Ok, on a le barbare, le fut barbare, ça suffira largement. Donc, on a une bonne idée de son deck. Gang de gobelins, barbare d'élite. Jusque là, ok. On va splitter les archères pour aller prendre les points d'élixir sur les côtés. On va remettre une T2 pour aller choper l'élixir au milieu. Voilà, parfait. Par contre, j'aurais bien vraiment pris l'élixir sur les côtés, s'il te plaît. Ok. Donc, Valkyrie, déjà, là. Parce que... Ok. Me tue pas la T2, par contre, ce serait sympa. Voilà, laisse-la en vie. Ah, ok, un petit canon. Un petit canon, et ben, un petit canon, un petit séisme. 1, 2, 3. Au revoir. Alors, faut qu'on recycle notre... Bah, voilà. Qu'est-ce qu'il est sympa, en face. On peut pas lui retirer ça, hein. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Si, c'est bon. Je vais devoir faire ça, par contre. Allez, 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 vite. C'est bon. J'ai eu peur, mais ça passe. On peut reprendre ça à la Valkyrie. Il n'y a même pas besoin, limite. C'est un peu overcommit, la Valkyrie. Mais c'est pas grave, parce qu'elle va rechoper le point d'élixir derrière, donc c'est ce qui compte. Voilà, il le prend. Elle le valide. Il va devoir défendre à gauche, du coup, elle va se prendre un cochon à droite. Et c'est là où ça commence à devenir compliqué pour lui. C'est là où l'histoire devient raide. Donc là, il va vouloir nous mettre un cochon à droite. Enfin, un géant. Évidemment. On va quand même faire ça, je pense. Voilà. Ah merde, il a pris. Ah, je l'ai laissé. Oh, et puis je l'ai retempo là. Pas les meilleures des idées. Hein. J'espère que Valkyrie, ça tank 3 millions d'HP. Ah ouais, c'est le cas. Effectivement, elle est même pas morte. Elle est même pas morte, la Valkyrie. Mais tranquille, ouais. Ok, très bien. Alors, on va repartir défensivement. On a envie de choper le point d'élixir à gauche. Voilà, on le prend. Salut, c'est le cochon qui le prend. Non, 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 c'est le cochon. Va pousser, hein. Ok, les archères. Tranquille, la boule de neige est complètement OP. Le géant qui va... Le géant, mais qu'est-ce que tu fais? T'es drunk, mon ami le géant. Ok, le géant qui va prendre ça. Derrière, on va pouvoir remettre une Valkyrie ici. On va pouvoir remettre une des squelettes pour défendre. Une TDE, un fut de barbare. Comme ils sont longs, les barbares d'élite. Comme ils sont longs. Oh, les pauvres. Franchement, ils me font mal au cœur. Oh, la Valkyrie qui va les finir. Deux coups de séisme. Poum, poum. Et c'est fini. Ah, le deck est fort. Le deck est quand même sacrément fort. Pauvre Simon. Pas facile. Ah ok, 4-0. C'est ça qu'on veut. Bon, pas énormément de récompenses, mais c'est pas grave. C'est l'esprit, en fait. C'est déjà d'avoir des petits rewards qui font plaisir. Alors, je vais recycler, j'allais choper direct la T2. J'aime pas trop quand l'adversaire là, donc je préfère quand c'est moi. Donc voilà, on va juste faire ça. Là, ça a tapé ici, donc franchement, moi, je m'en fiche. Hein. Juste faire une boule de neige pour le plaisir, mais franchement, j'ai pas besoin de plus. Ah, je voulais le prendre à droite, par contre, c'est mon bête, ça.
tombe. Non, non, non. Ah, saleté. Et on va quand même devoir au grader, je pense. Ah, quoique, si je jogue là, j'ai le point d'élixir. Non, je l'ai pas. Oh, oh, le relou, quoi. Oh, on est sur un Jean-Michel relou, quoi. Je mets tout au point dès qu'il y a un point d'élixir, quoi. Super. Bravo. Belle mentalité. Il est parti à droite, là, du coup, hein, connaissant sa technique secrète. Oh là là, et du coup, j'aurais pas de quoi défendre les gars. Eh, on est pas bien, hein. Il nous spam bridge, mais ça marche bien, quoi. Ça se passe bien pour lui, hein. Pouf. Ok. Ça, je suis obligé de def en plus, hein. Filou va. Ok, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Allez, non, mais non. Laisse-nous un point d'élixir. Laisse-nous un point. Respecte-nous. Ok, ça c'est nous respecter, ça je valide. C'est du bon respect ça. Alors son chevalier connecte, mais là on va pouvoir commencer à reprendre le contrôle de la partie. Le point d'élixir au milieu va revenir, on met le cochon direct là. On n'a pas envie qu'il prenne ce point d'élixir, j'en ai marre hein, qu'il ne respecte pas. Il a son armée squelette, mais il va devoir la mettre voilà sur le cochon. Parfait, la T2 va permettre de prendre le point. Ici, on va pas lui laisser non plus, on reboule de neige. Franchement là j'en ai marre. On va trahir là, je vous préviens. Donc il a son cochon. On lui a pas laissé l'élixir ni à gauche ni à droite. On va recycler les archères dans le fond. On va remettre une TDE. Quoique franchement je fais comme lui, allez vas-y, j'en ai marre. Ok, ok, ok. Viens là, viens là. Voilà. Oh tu peux zap, y'a pas de soucis. On va quand même prendre le point au milieu, là tu peux remettre ce que, là, tu peux mettre ce que tu veux, tu l'auras pas. Ah oui d'accord, ni comme ça. Pourquoi pas, voilà. Allez vas-y, remettre ce que dessus. Ok c'était pas loin. Ah, on rajoute qu'un coup, c'est dommage. Ok, on va recycler les archères tranquillement dans le fond. On va recycler les squelettes. On peut remettre une Valkyrie, hein, histoire de dire. Dès qu'à gauche, il y a le point d'élixir, on le remet un cochon cache dessus. En attendant, on va défendre à la T2. Enfin, clairement, il a aucune chance. Hein. Là, il va se prendre le trahir de sa vie. Je crois qu'il se rend pas compte. Hein. Ok, instant de boule de neige. On va mettre les archères pour défendre. Ok. On défend, on va mettre une T2 ici pour aller reprendre le prochain. Ici, ça va remettre le point d'élixir à gauche bientôt. Voilà, salut. Blue neige. Allez, mets un truc dessus, voilà, mets l'armée, parfait. Ok, on est à portée de séisme cycle, et bah c'est fini, salut. Je crois qu'il a pas compris que j'étais pas content. Je crois qu'il a bizarre même. Mais il a changé. C'est son grand frère, c'est sa petite sœur qui joue. J'espère que vous avez kiffé le mode vénère. J'espère que vous avez kiffé parce que là on en avait gros. Hein. Franchement sur la conscience là on n'était pas bien. Ah ok, T2 first. T2 first. Ok. Squelette. Squelette first, mon fiche. Je veux tous les élixirs du jeu. Voilà. Donne-moi celui de gauche aussi. Ok, maintenant on va mettre un cochon là-bas. Sismisme. Oh là là. Ok, T2 devrait def un peu. Ah, ça suffit pas. Si ça suffit. Ok. Oh, t'as les dégâts qu'il a déjà pris. Ah oui, effectivement. On se situe sur quelque chose de ce type-là. Très bien. Ok, bon, on peut juste faire ça, nous on s'en fout. Hein. On s'en fiche, pardon. La France. Je prends ça avant qu'il l'ait, hein, parce que j'ai pas trop envie qu'il l'ait. On va lui forcer à aller défendre un peu de l'autre côté. Évidemment, on fait tomber la PK. On remet ça instantanément. Le cochon, on va le gérer avec les archères. Oh, pendant que tout notre cochon, il fait tellement mal. Oh, j'aurais dû vouloir agir avant de signer. Ah, c'est vraiment une grosse erreur. Bon, c'est pas... C'est pas dramatique, hein. Ok, cette fois-ci, il nous laisse pas le prendre, c'est pas grave. Clairement, on accepte, parce que nous, on va prendre celui du milieu, là. La T2, elle va le prendre. Alors, c'est où qu'on a mis le plus de dégâts, c'est ici. Bon, c'est parti. Touk, touk, au revoir la fournaise. Elle, eh ben, elle va tomber sous les coups des squelettes. Tiens, les squelettes, ils sont forts, les squelettes. Voilà, les petits squelettes qui défendent. Le point d'élixir, on va le prendre au cochon. On reprend l'autre avec notre squelette. Il est pas insane, ce deck? Eh, à quel point il est insane, ce deck? Dans le chat, de 1 à 10, à quel point il est insane, ce deck est insane. Oh, il est un. Dans les commentaires, pardon. Dans les commentaires. Ok, ok. Bon, on va remettre une T2.
Voilà, on aura le point du coup. On a également sur les côtés avec les archers. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est fini pour lui. C'est fini, mais c'est fini. Oh là là là. Alors, on était un peu trop tryhard, hein. Peut-être pas. On était un peu. On aurait pu être plus respectueux du défi. C'est vrai que là, on était un peu en violent. On était un peu violent, j'avoue. Mais des fois, il faut réussir à exprimer un peu les mécaniques. Bon, j'espère que vous avez kiffé, évidemment n'hésitez pas à tester ce deck, hein. Le but dans ce mode de jeu encore une fois c'est d'aller choper le truc d'élixir au milieu et également de mettre de la pression sur les lanes. Du coup si votre cochon il coûte que 3 au final, c'est vraiment dur de le défendre et les archers comme les squelettes peuvent permettre d'aller prendre sur les côtés le point, la TDE permet de défendre au milieu et sinon vous avez boule de neige, fuite barbare, séisme pour gratter les potentiels TDE, les sorts, les gros bâtiments en face etc. Enfin vraiment il est super complet, vous gérez les armées de squelettes, vous gérez les hordes, vous gérez absolument tout avec ce deck. Donc, vraiment je pense qu'il est vraiment OP dans ce mode de jeu. Et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé.